Cette église judaïque messianique, un lieu de prière et de rassemblement spirituel, a été pris pour cible le 30 août 2023 par des militaires accusant ses fidèles de collision avec des groupes rebelles. Ce matin-là, alors que les fidèles s'étaient réunis pour prier, des militaires ont fait irruption, accusant les membres de soutenir les forces ennemies. Sans préavis, ils ont ouvert le feu et tuant 103 personnes sur place. En plus de ces carnages, plusieurs autres fidèles ont été arrêtés et sont à ce jour toujours incarcérés sans jugement dans la prison centrale de Mounzenze. Wasebi Kanaba Alice, qui a vu son père mourir devant elle, raconte. Nabin Toulouchi, une autre rescapée, se remémore l'horreur de ce jour. Sina uwezo wa kuwarudisha maisha. Mbe, uwezo mimi naziomba
Parmi les nombreux survivants, certains ont été arrêtés ce jour-là sous l'accusation des complicités avec des groupes rebelles. Bounja Amani, le responsable de la foi naturelle judaïque messianique des nations, exprime l'inquiétude de la communauté. Bon, en principe, nous avons célébré la commémoration des massacres du 30 août passé hier. Parce qu'on savait que nous avions une fête de clôture du mois sacré que nous célébrons chaque 30 août de chaque année. C'est d'ailleurs à cette occasion que nous avons été victimes de ces massacres orchestrés par les gens de mauvaises intentions. Parmi ces gens, on peut noter certains leaders politiques, certains leaders religieux. On peut même compter certains agents des Nations Unies. Tous se sont coalisés contre ce petit peuple que vous voyez ici pour mettre fin à cette spiritualité ancestrale. Pourtant, même si moi je passais aujourd'hui, l'autre peut passer. Mais la spiritualité naturelle, ancestrale, authentique demeurera éternellement. Et donc, point n'est besoin de s'attaquer contre cette spiritualité parce qu'elle a existé, elle existe et elle existera pour toujours. Mais à dire vrai, pendant ce massacre du 30 août dernier, nous avons fait l'enquête. Nous nous sommes rendus compte que nous avons perdu plus de 103 membres de la FNJM, plus de 103 membres. Il y a eu à l'époque 148 qui avaient été mis en prison et parmi eux, 63 demeurent encore jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est pour nous une occasion de demander au gouvernement de libérer ces innocents qui croupissent en prison innocemment. Un an après ce massacre, la communauté de l'église judaïque messianique reste marquée par la douleur et les chagrins, mais aussi par une profonde détermination. Alors que 103 vies ont été arrachées ce jour-là, la souffrance des familles est exacerbée par l'emprisonnement prolongé de leurs proches.